filles, coucou les garçons, me voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Donc là les enfants, aujourd'hui on est là pour le premier haul solde 2023. Les filles, on est vraiment le premier jour de solde le mercredi. Donc, la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez. C'est pour ça que j'essaie de filmer tout de suite pour pouvoir vous le mettre. Mais c'est vrai que le soir, monter les vidéos, je suis KO. Je voulais m'acheter des sous-vêtements, enfin des sous-vêtements, des soutiens-gorge. Je voulais m'acheter une paire de baskets et un gloss. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je hurle. Allez, n'oubliez surtout pas les enfants de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Ok? J'ai pris ce sac-là pour faire les magasins. Ok? Mais c'est un sac. Enfin, il n'y a pas de sac d'hiver et de sac d'été pour moi, mais vu qu'il est noir, je me dis, et la matière fait que c'est vraiment un sac à utiliser l'hiver. Mais bref, je l'ai utilisé aujourd'hui. Là, pour Colombine, ils m'ont donné un sac. Pour Sephora, ils m'ont donné un sac. La pharmacie m'a donné un sac. Yves Rocher, Nocibé et H&M, pas de sac, il faut payer. D'accord? C'est parti. On va commencer par la pharmacie. OK? Donc, j'ai acheté ceci. Vous connaissez déjà les enfants. Ça s'appelle Lovren Essentiel. Donc là, c'est un démaquillant, lingette, aloe vera et camomille. OK? Franchement, je l'adore. 2,99 €, je l'adore. J'avais arrêté de l'utiliser. J'utilisais surtout des trucs comme ça, des lingettes comme ça. Mais à un moment donné, il faut laisser la peau respirer. Parce que ça, je massacre mon visage avec ça. J'en ai comme ça et j'ai ceux de chez Action aussi qui sont assez longs. Mais franchement, ça, c'est très économique. Mais il faut quand même mettre autre chose sur votre peau de temps en temps, dont celui-là. Mais je vais partir. Je pense que je ne vais même pas l'ouvrir. Je vais partir avec en vacances. OK? Ensuite, donc la pharmacie, c'est terminé. On va aller chez Yves Rocher qui n'a pas de sac. Je ne sais pas si j'ai d'autres vidéos que j'ai déjà filmées concernant Yves Rocher. Je ne sais pas si vous allez le voir avant celui-là. J'avais déjà dit, je ne vais pas souvent chez Yves Rocher parce que c'est des voleurs. OK? Donc voilà, donc je dis ça, je dis rien. C'est surtout qu'ils ont changé leur système de points et je trouve pas ça très sympatoche. Go, là j'ai acheté que les choses en promotion, donc du coup ça, c'est un lait démêlant pour les cheveux colorés. Et comme j'ai le bout de mes cheveux qui sont teints, décolorés en plus, donc je vais mettre ça de temps en temps dessus. C'était à 3,49 €. Donc voilà. J'aime bien leur gamme. Franchement, c'est top. Je dis que je ne vais pas retourner, mais je vais quand même retourner parce que c'est là-bas que je prends le shampoing de Lorraine. Je prends toujours cette marque-là pour Lorraine. Ils m'ont donné encore une deuxième trousse. Soit je vais le donner à Bibi. Si elle ne veut pas, je vais le donner à sa grande soeur parce que vraiment, cette trousse-là, elle est quand même sympatoche. C'est pour mettre un sandwich. Ou sinon, même, je peux le garder pour moi et Nanou si on veut mettre deux sandwichs, un dans chaque sac. Franchement, tu mets ton sandwich dedans, tu fermes, bye bye. Tu peux mettre ton fruit dedans qui est frais, bye bye. Ok? Ça vaut le coup. Et j'ai acheté aussi un gommage granité éclat. Glow Granita Crumb. Donc, rose. Franchement, il est sympa. Voilà. En rose, comme ça, les enfants. Et il y avait le masque. Je ne l'ai pas pris parce que j'ai déjà beaucoup de masques ici. J'avais pas envie de dépenser pour rien. Les gommages, j'en ai pas beaucoup. Ensuite, on va pas chez Nocibé. Vous allez me dire, Gigi, qu'est-ce que tu as acheté encore chez Nocibé? Je n'ai pas acheté de parfum. Mais j'ai réalisé dans toutes mes affaires, je n'ai pas de démaquillant. Il faut le faire. Si vous voyez mes tiroirs, je n'ai pas de démaquillant. Il va falloir que je fasse une petite vidéo pour vous montrer les produits que j'ai dans mes trucs en stock. Mais je n'ai pas de démaquillant. J'ai cherché, je n'ai pas de démaquillant. Les deux produits que j'ai pas beaucoup, c'est démaquillant, poudre, puisque celui-là, attends, poudre, j'ai juste deux poudres, j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps. Mais je n'ai pas démaquillant poudre, j'ai pas ça en triple. Et gloss, voilà, et gloss.
Et le gloss. Il me reste un gloss. Attendez. Ça, j'ai regretté. Marc Jacobs de chez Noz. Regardez. Il est vide. Il est vide, mais je jette pas parce que je... Toujours, et j'en ai un autre. Et il me reste que ça. Que j'avais acheté chez NYX. Donc voilà, donc je ne peux pas me dire que je vais mettre un dans mon sac et un à la baraque. Donc, quand j'irai en vacances, je pense que j'achèterai des glosses. Il faut que j'achète des glosses. Bref, allez, du coup, comme je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup de démaquillants, j'ai acheté un démaquillant à l'huile. En général, je n'aime pas les démaquillants avec l'huile. Pourquoi? Parce que quand vous passez ça au niveau des yeux, ça colle vos cils et c'est désagréable. D'accord? Mais en application Yuka, j'ai comparé celui à l'huile et l'autre. L'application Yuka, c'était bon, ça va. Hein, c'était 42, un truc comme ça, ça va. Et celui-là, c'est plus. Alors, j'ai pris plus. C'est comme ça, j'ai décidé. Ouais. Du coup, à la caisse, il y avait ces bougies-là. Ça, j'ai payé ça combien? Ben, 50% de 10,95. Donc, ok, j'ai payé 5 euros et quelques. Bon, je suis débile. Hein. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas dit c'est à quoi. C'est l'huile démaquillant pétale. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs comme ça à l'intérieur. Est-ce que ça sent bon? Ça a une odeur, mais une odeur de propre, quoi. Une odeur de propre. Ensuite, là, à la caisse, j'ai vu ça. C'était 14,95 €. Et la dame m'a dit, si je le prends, en plus, ça me fera encore moins 10% en moins sur les deux produits. Donc, ça m'a fait un truc à 14,95 € et un truc à 10,95 €. Les deux m'ont fait 11 € et quelques. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Et ça, c'est une bougie, les enfants. Celui-là, c'est Capri Agrumes Mimosa. Ça sent trop bon, trop bon. Au début, je voulais prendre le rose parce qu'il y avait trois variétés, trois couleurs différentes. Mais j'ai pris celui-là parce qu'il sentait... Je sais tout ce qui est à base d'agrumes, j'adore. Ah, voilà. Franchement, my God. Comme je dis à la dame, la bougie n'ira pas avec la baraque. Mais ça, c'est pas trop grave. C'est juste l'odeur que je veux. Je sais même pas si je vais pas laisser dans la chambre. Je sais pas. Ça sent trop bon. Santé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez vu ça dans votre Sephora. Nocibé, pardon. Voilà. Ensuite, elle m'a donné des bons pour revenir chez eux. Et je vais vous faire rigoler. La caissière, c'est une nouvelle fille chez Nocibé. Donc, je l'ai vue au loin. Je dis, cette tête-là, je connais. Donc, je ne savais pas si c'était Yves Rocher ou Sephora. Donc, je lui dis, Yves Rocher ou Sephora. Elle m'a regardé. Et puis, elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Et après, je lui dis, vous travaillez dans un des magasins? Oui, oui, ça fait très, très, très longtemps et tout. Et puis, elle m'a dit qu'elle se rappelait de moi. Mais moi, je me rappelais d'elle. Je lui dis, vous avez eu un bébé? Elle m'a dit oui. Je ne sais pas, hein, les filles. Hein. Chez Sephora, vous trouvez toutes sortes de filles. Moi, j'ai toutes sortes de filles. Des gentilles, des ni plus ni moins, mais voilà. Mais chez Yves Rocher, les filles sont très froides. Donc, si tu travailles chez Yves Rocher, je te le dis. Hein, parce que moi, c'est très rare que je vais chez... Heureusement, je suis coriace. C'est mes produits que je veux. C'est pas les gens qui m'intéressent en gros, mais bon. Quand tu vas dépenser, tu es quand même contente de trouver des gens qui sont agréables, quoi. Elles sont froides. Je ne sais pas si c'est... ils doivent être comme ça, mais elles sont froides. Elles ne sourient pas, à part les gars. À part les gars. Il y avait un gars d'avant, il n'est plus là. Il y a un autre jeune, enfin un jeune, il doit avoir 35 ans. Un jeune, lui aussi, mais les autres... Désolé les filles. Hein. Mais c'est laisse tomber. C'est laisse tomber. Elles sont froides, elles sont... Voilà, bref, on tourne la page. Et cette dame-là, j'avais eu un petit accro avec elle chez Sephora. Et c'est très rare hein, que j'ai des accros avec des gens chez Sephora. C'est très rare. Enfin, très rare, c'est la seule fille. Hein. Elle m'avait parlé mal et je lui avais fait du rhum dedans. Et quand je l'ai vue là, j'ai dit, toi, c'est bien toi. Mais j'ai juste voulu lui faire comprendre que je la connaissais. Et je ne me suis jamais plaint de Nocibé, mais Nocibé, les vendeuses,
Tous les vendeurs qui sont là, c'est des tops. La patronne, encore, voilà, c'est la base. Mais la petite Jenna, j'espère qu'elle va rentrer dans le lot à sourire, à être agréable. Donc là, ça là, elle s'est décoincée quand je lui ai dit que je la connais. Mais bon, si elle est en mode comme ça, c'est pas le bon plan. Il faut changer de métier, les enfants. Si tu passes par là, change de métier. Voilà, les enfants, c'était la parenthèse que je voulais dire. Mais franchement, c'est waouh. Bref, allez. Ensuite, ici, on est au bout du beauté. Après, je vais vous montrer tout ce qui est textile. Parce que là, j'ai dépensé un truc, là, j'arrive même pas à croire. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Je vous ai pas dit? Ah oui. Et du coup, elle m'a demandé si je veux me parfumer. J'ai dit non, puisque je m'étais déjà parfumée. Et je lui ai demandé un parfum. Elle m'a demandé un échantillon. Donc, j'ai pris Prada. Prada Paradoxe. Paradoxe. Donc, voilà les enfants. Donc, c'est là-dedans. Je suis contente. Je vais le tester. Je ne pense pas l'acheter. Il n'est pas donné. Hein. Je ne pense pas l'acheter. Je ne pense pas l'acheter. Pour l'instant. Mais voilà. Je ne pense pas l'acheter pour l'instant. Puisque j'ai dit, je n'achète pas de parfum. Mais si je le vois à l'aéroport, à pas cher, je peux le prendre. Mais je sais que voilà. Voilà. Ça sent bon, hein. Ça sent bon. Allez, on va chez Sephora. Chez Sephora. Donc, premier échantillon, c'est ceci. Donc, je l'ai déjà ici. Là. En grand. Mais vraiment en grand. C'était un cadeau. Donc, voilà. J'ai eu aussi un Capture Total de Dior. C'est un sérum. OK. Ensuite, il va falloir que je prenne tous les échantillons pour partir en vacances avec. Comme ça, j'utiliserai les échantillons en vacances. Ensuite, les enfants, je me suis acheté un démaquillant pour les yeux et lèvres. Au début, je croyais que c'était pour le visage, mais c'était écrit yeux et lèvres. Je me suis dit, ben, je vais le prendre quand même parce qu'il a 1,99€, application Yuka. Il est bon. Donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Sephora. Donc voilà, c'est seulement ce que je peux dire dedans. D'origine naturelle, donc j'ai scanné quand même. Et le dernier produit de chez Sephora, c'est des lingettes au charbon exfoliant douce charbon. Ok, au début je pensais que c'était pour se démaquiller, mais non, c'est pour voilà. Hein. Donc je donnerai, moi et Laurel, on l'utilisera deux. Ok. 2,49. Donc c'était pas cher. T'en penses quoi? C'est pas cher du tout. Hein? 99% produit naturel. Là. Donc j'ai déjà dit le prix. Ça, c'est les bons de Nocibé. Et là, les filles, on va parler choses sérieuses là. Votre copine là. J'avais déjà dit, j'ai été essayer des sous-vêtements chez Carrefour. Ça m'a. Non. C'est Carrefour. J'avais déjà essayé une première fois chez Leclerc et une deuxième fois dans les pré-soldes chez Carrefour. Les filles, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème de poitrine, mais les sous-vêtements, vous prenez la taille qu'il vous faut. Vous avez un soutif. Moitié du soutien qui est ouvert là et l'autre moitié est plaqué. L'autre, au milieu, là, c'est plaqué. Au milieu, c'est ouvert comme ça. Sinon, c'est là qui déborde. Je me suis dit, je dois avoir un problème de physique. Au niveau de la poitrine, que j'ai pris beaucoup de poitrine. Et là, j'ai dit, ah, ouais, il faut que je mette les sous dans un soutif. Parce que là, c'est pas possible. Allez. Sauf que. Donc, j'ai été chez Colombine. Et après, j'ai été chez Etam. Donc, Colombine donne le sac. À ce prix-là, ils peuvent bien donner le sac. Wow! Voilà. Ah oui, Yves Rocher, ils m'ont donné mon cadeau d'anniversaire. À chaque fois, je prends la même chose. J'ai un problème psychologique. Hein. Il y avait une crème pour les mains au mon œil, je ne l'ai pas pris. J'ai encore pris le gommage. Gommage éclat ultra fraîcheur. Je le trouve, il est plus gros et en plus, tu utilises plus un gommage que des produits pour les mains. Les produits pour les mains, tu peux prendre.
Même un truc pour le corps, pour passer sur les mains. C'est pour ça que j'ai préféré prendre ça. Bref, voilà. J'ai pris ça, c'est pour mon anniversaire. Qui n'est pas encore arrivé, parce que mon anniversaire, c'est au mois de juillet, les enfants. Voilà. Voilà le soutif que j'ai acheté dans un magasin spécial sous-vêtements. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Je ne sais pas. Bon, c'est le prestige que tu paies et c'est quand même des pros puisque c'est pas la première fois que j'y vais. J'avais déjà été pour Mélanie pour qu'elle ait un bon maillot de bain. Pas les maillots de bain à moitié qu'on voit leur sein ou à moitié cassé ou à moitié si. En solde, j'avais payé le maillot de bain pour Mélanie. Le haut seulement, c'était 80 € et le bas, peut-être 40 € un truc comme ça. Mais ça m'avait fait quand même assez cher. Mais au moins, l'enfant est bien dans son maillot de bain. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sans vous montrer le prix. Voilà le sous-vêtement. Moi, je voulais un truc qui tient partout parce que ça me fatigue. Ça me fatigue de voir ma poitrine déborder. Fatiguée. Franchement. Donc j'ai pris ceci. Il me va trop bien. Il n'y a rien qui déborde. Rien qui déborde. Ni là, ni là, ni là, ni là. OK? Regardez. Voilà. Bon, c'est transparent, certes, mais les gens ne viennent pas voir en dessous dans mes sous-vêtements. Voilà. Franchement, il est beau. Donc, la marque, c'est Simone Perella. OK? Donc, c'est la première fois, c'est du 90, non, 85 E. 85 E. Donc, 94 € qu'elle coûtait. OK. Je ne vais pas dire que j'ai. Franchement, je suis rentrée, je n'ai pas réfléchi. Et c'est chiant quand les gens sont après vous, vous donnent pas une faveur là. Tu rentres là, mais voilà. C'est vrai que si elle ne m'avait pas parlé, je n'aurais pas acheté. Parce qu'il y avait tellement de sous-vêtements que j'étais là comme ça. J'avais la flemme de regarder. D'habitude, je ne suis pas comme ça. Mais j'avais vraiment la flemme de chercher parce que je voyais plein de couleurs et c'était pas ça que je voulais. À ce prix-là, je ne veux pas de plein de couleurs, je veux un truc noir. Donc, 94 € et là, j'ai acheté le sous-vêtement, le prix des baskets que je voulais acheter. 66 € le sous-vêtement. Donc, je sais que c'est de la qualité. Quand je l'ai mis, c'est super agréable sur vous. Elle voulait me vendre deux. Il y avait deux qui me plaisaient. Toujours avec les mêmes dessins, mais en modèle plus court ici. C'est-à-dire, le soutif ne monte pas comme ça, elle arrête là. Mais franchement, j'ai envie d'être à l'aise. Donc, je me suis dit, il faut que je m'achète un bon soutien tous les je ne sais pas combien de temps. Mais là, pour aujourd'hui, j'ai pris ça chez eux. Et en sortant, je ne sais pas si j'étais coupable. J'ai dit, il faut que j'aille voir chez Etam ce qu'ils ont. Et effectivement, chez Etam. Mais je ne regrette pas celui-là. Une seule chose que je regrette, c'est que quand même 94 €, 66 € ce n'est pas une grosse promo. Mais c'est déjà ça. Parce qu'elle m'a mis une bonne taille que moi-même, je n'aurais pas pris. Je suis bien dedans. Ils arrivent à bien choisir. Et quand j'ai été chez Etam, j'ai demandé à la dame, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle est venue. Elle m'a dit, je lui ai montré ce que j'avais pris. Elle me dit, non, mais des fois, eux, ils taillent plus grand. Les magasins de sous-vêtements comme ça. Et du coup, elle m'a mesuré ici. Et elle m'a mesuré ici. Elle m'a dit, vous faites du 90 E. Donc, comme je n'ai pas pris de sac, les filles. Donc, c'est dedans toujours. Il y a toujours le petit poinçon là pour fermer le truc. Donc, allez. J'ai eu aujourd'hui pour quand même. Plus de 100 et quelques euros en sous-vêtements. Que soutien. Parce que la dame voulait me vendre des. Là, il n'y a pas de promo hein, sur ça. La dame voulait me vendre un slip. J'ai dit non, non, non. Le slip à 40 €. Le bas de ça était à 40 €. 39 €, j'ai dit c'est mort. Ça ne m'intéresse pas. C'est noir. Je vais mettre n'importe quel slip noir avec. Ça me va. Donc voilà. Donc j'ai pris deux sous-vêtements chez Etam. C'est ce qu'on appelle des balconnets. On montre au balcon. Donc le premier,
Rien de transcendant, les filles. Je voulais juste avoir. Voilà. Vous comprenez? Vous me comprenez? Donc, j'ai pris du 90. OK? Déjà, au toucher, c'est très agréable. Ce qui est avant promotion ne me plaisait pas du tout, du tout. J'ai dit, c'est acheter pour acheter. Non, je veux acheter. Là, c'est la survie. C'est la survie de mes seins. Je veux acheter des trucs qui sont bien. Parce que l'autre, j'ai essayé des trucs en sol chez Etam. J'avais déjà les ongles qui restaient coincés dedans. J'ai dit, c'est mort. À la fin du mois, j'ai plus de soutien. C'est à pleine bouloche. Donc, je n'ai pas pris. Regardez le modèle que j'ai pris. J'ai déjà des produits. Voilà. Franchement, par contre, c'est ce qu'on appelle un décolleté. Là, il y a du monde au balcon. Il va y avoir du monde au balcon, les enfants. Franchement, my God. Donc voilà, il me va bien. Par contre, je lui ai dit, je veux un soutien sans bretelles qui tienne sans les bretelles. Mais franchement, ça ne tient pas sans les bretelles. Il faut les bretelles. Quand je retire les bretelles, mes seins sortent de là. Le soutien, quand il est là, comme disons, il est là avec bretelles. Et sans bretelles, j'ai l'impression qu'il va tomber le truc. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, je vais l'utiliser qu'avec les bretelles. Et je suis toujours à la recherche d'un sous-vêtement sans bretelles pour tenir bien. Sinon, je serai obligée de prendre des bandeaux. Donc, voilà les enfants. Franchement, c'est la classe. Donc, prix fort, 29,99 €. Pas de promo. Pas de promo dessus. Mais ce n'était pas grave parce que là, je refais mon garde sous-vêtements. Franchement, au boulot, j'ai un sous-vêtement à moi. La ferraille est montée jusque là. Ma collègue m'a dit, t'as un truc qui dépasse. Ben, c'était ça. Ça veut dire que les soutiens sont fatigués, il faut les jeter. Donc, du coup, c'est mort. Je vais tout jeter ce week-end. Donc, je suis contente. Hein. C'est 29 €. Et le deuxième, là, c'est de la laise que j'ai cherché. De la blaise. À l'aise, blaise. Donc, attendez, je vais l'attacher. Et c'est toujours 29 €. Hein. Mais j'ai déjà un soutien de chez eux qui est très agréable. Donc voilà. Donc j'ai pris un sous-vêtement simple, mais je suis bien dedans. J'ai pris que du noir parce que. Alors que j'ai d'autres noirs là, pour l'instant je prends ça, du noir. Franchement, ça rentre trop bien dedans. Tu vois? Ça rentre bien, je suis bien à l'aise. Et c'est toujours du 90 €. Il a fallu que je sache aujourd'hui que je fais du 90 €. Et de l'autre côté, c'est du 85 €. OK? Donc, je suis contente, les filles. Donc, voilà. Je ne vais pas vous les montrer porter, hein, mais je peux vous dire que je suis bien dedans. Franchement, vraiment bien dedans à 29,99 €. Donc, je pense que les trois là, plus celui-là, plus quelques-unes qui me restent, ça le fait. Mais je suis toujours à la recherche soit d'un bandeau qui tienne bien. Ils avaient des bandeaux, mais trop serrés pour moi. C'était trop petit. Donc voilà les enfants, c'est pas tout pour la vidéo. Il y a le reste des trucs qui se trouvent dans ce sac. Pas grand-chose, hein. Chaussettes que j'ai acheté 1,50 € les deux, donc c'est un promo 1,50 € les deux, donc c'est 4,99 €, donc moins 70% chez CA. Il y a deux paires de chaussettes dedans, donc j'en achète, c'est surtout pour partir. Bon, là, les enfants, je devais m'acheter un manteau, comment on appelle ça, de seconde main, sauf que. Celui qui me plaisait n'avait pas de ceinture. Donc, j'ai dit, c'est pas la peine. Moi, il me faut la ceinture. Et j'ai trouvé ça chez de la marque Clockhouse. Taille 42 que j'ai pris chez CA. Au lieu de 49,99 €, j'ai pris la taille 42. J'ai payé 25 €. Voilà l'impair, les filles. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, vous allez dire, oh, je croyais que j'avais perdu la ceinture. Vous allez me dire, mais Gigi, qu'est-ce que tu vas faire avec un imper? Les filles, quand vous avez une robe, quand vous avez un short, quand vous êtes trop sexy et vous ne savez pas quel temps qu'il fait dehors, vous faites quoi? Tu fais comme Colombo, tu prends ton imper et tu vas faire ton enquête.
Allez, go, regarde. Voilà. J'ai un peu filmé dans le magasin, donc voilà. Je l'ai déjà. J'ai déjà un impair en... comme ça. Qu'on avait payé chez Jennifer au moins plus de 50 euros, à peu près. En vert. Et là, j'ai cette couleur-là qui est zen. Il y aurait eu en blanc, peut-être j'aurais pris, mais non. Ça, simple, je m'en fiche. Le truc n'est pas trop chaud. Ok, il y avait le cours aussi, mais le cours. Voilà, le cours était plus cher, il était qu'à moins 30%. Si je devais le prendre, il coûtait 31 euros. Donc j'ai préféré prendre celui-là à 25 euros. Alors que c'est ce qui me plaît à 100%, c'est-à-dire de le mettre. Avec un short, avec n'importe quoi, quand il fait, quand il fait froid le soir, voilà, tu fais ça et tu te fermes comme ça. Le matin quand tu vas au boulot, franchement les filles, le matin quand je pars au boulot, des fois il fait froid, pas tout le temps, mais des fois il fait froid. Je mets mon truc et après je le retire en route. C'est ce que je fais avec le vert et avec le marron. Mais le vert et le marron ne va pas avec tout. Donc je me dis ça, je suis trop contente. Ça ira avec tout. Faut que je fasse attention pour ne pas casser. Donc voilà les enfants, c'était chez Seiya. Donc je pense là, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi les enfants. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie toujours pour tous vos likes et vos commentaires. Merci pour la team commentaire. Bye bye. Je sais même pas combien ça m'a fait en tout. Hein. Ouais, j'ai dépensé beaucoup de sous. Ouf. Ouais. Et j'ai été chez Longchamp aussi, les enfants. J'ai essayé un petit sac Longchamp, mais il était trop petit. Ils avaient quand même pas mal de promos, mais j'ai dit non, c'est mort. Ce que je voulais exactement, je l'ai pas trouvé. Je dois acheter un sac avec l'argent que Nanou m'avait donné pour nos beaucoup d'années. Mais il y en avait pas. C'est ce que je dis. J'ai pas trouvé. Et j'hésite entre deux sacs. Si je reprends un grand sac comme ça, si je garde l'argent pour m'acheter un autre sac après, je sais pas. Voilà. Il arrive. Bye bye.